La rubrique de Frédéric. Sommet d'amour. Le courage et la force du guerrier, l'arme qui le pousse à aller de l'avant sans jamais battre en retraite devant l'obstacle ou l'ennemi intérieur. S'armer d'amour, c'est s'armer de patience, pacifier notre rapport au temps, lui offrir de larges délais, non pas pour procrastiner, mais pour accompagner la descente vibratoire jusqu'au monde dense des subtilités qui s'élaborent sur le mental universel. S'armer d'amour, c'est faire nos armes, aiguiser nos outils pour qu'ils tranchent dans les peurs et apprivoisent progressivement les mondes inconnus dont nous sommes pourtant issus. S'armer d'amour, c'est s'habiller le cœur pour entrer en lien avec tout ce qui existe, quel que soit le règne, quel que soit l'état de conscience, et voir l'autre au plus intime de ce qu'il est. S'armer d'amour, c'est s'envelopper d'innocence et aborder délicatement tous les sujets, toutes les situations qui demandent à être transmutées pour incarner le monde à venir. S'armer d'amour, c'est pénétrer la sincérité subtile de l'essence dont chacun est constitué pour ressentir l'absolu de notre identité commune. S'armer d'amour, c'est suivre sa ligne intérieure, cultiver l'opiniâtreté du service pour faire de nous, non des déserteurs, mais des héros de l'évolution collective. Chaque fois que nous encourageons les divisions, nous désertons les rangs de l'union pour nourrir les marécages des craintes, des lâchetés et des privilèges défendus ou souhaités. S'armer d'amour, c'est s'extirper du monde de la séparativité et séjourner sur les plages de l'innocuité pour rapporter sur les trottoirs du quotidien l'importance du bien commun. S'armer d'amour, c'est armer notre regard pour voir le monde au-delà du visible et accompagner l'émergence du beau et de la fraternité. S'armer d'amour, c'est se reconnaître, s'accompagner, se comprendre et s'aider à parcourir le chemin individuel qui n'a pour seul but que la découverte de notre communauté et l'œuvre de raffinement au sein de celle-ci. S'armer d'amour, c'est se donner, s'unir, servir, repousser ce qui est inutile et penser ensemble, pour l'ensemble, le monde que nous co-créons sous l'impulsion vibratoire de nos frères divins. S'arrimer à l'amour et percevoir le monde à partir de cet ancrage spécifique où l'ensemble remplace le particulier, où le bien commun vient en lieu et place du bien propre, où le souci d'amélioration et d'élévation concerne chacun et où plus un homme ne laisse un frère sur le bord du chemin. Là se trouve le champ de bataille du guerrier, non celui du combat, mais celui de la transmutation. On combat toujours contre, on transmute avec. Choisissons le Graal de l'union.